Et me voilà en bonne compagnie. Encore une fois, c'est le folklore versus la science, un moment obligé à travers chaque saison hivernale. On s'est rendu à ce temps-ci de l'année, on désespère un tout petit peu de la saison, qui, pour certains, est un peu interminable. Alors, quand on pense que, bon, le tapis neigeux, par exemple, s'installe déjà le 12 décembre et va s'étirer jusqu'au 23 mars, quand on tire une ligne au milieu, ça nous donne précisément le début du mois de février. Donc, on est à peu près au mi-temps de la saison. Et là, ce qui se passe, cette tradition-là veut que, quand on voit son ombre, le jour de la marmotte, eh bien ça veut dire que l'hiver est là pour rester. Donc encore un bon 6 semaines. Et si on ne voit pas son ombre, ça veut dire que l'hiver risque de tourner court. Donc, mi-temps de la saison, on passe au verdict, les marmottes se prononcent et du côté de la science, bien, qu'est-ce qu'on voit aussi? Maintenant, on va aller évaluer le comportement de chacune des marmottes. Donc, quand on fait le tour des différentes marmottes là, à travers le continent, vous voyez, du côté de Billy, c'est un pourcentage d'efficacité de 26 %, Willow 30, 39, Phil, la bien connue, en Pennsylvanie, en Nouvelle-Écosse, Sam 42 %, Fred en Gaspésie, ça c'est spécial, 67 %. Pourquoi? C'est que Fred nous prévoit quasiment systématiquement que l'hiver va continuer. On le comprend bien parce qu'en Gaspésie, ça dure plus longtemps. Mais vous avez vu, Météo Média, on a un score d'efficacité quand même pas si mal de 67 %. Un printemps hâtif au Québec, la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 2012, donc c'est pas souvent. On avait eu un mois de février, un mois de mars, 2 degrés au-dessus de la normale. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque le fameux printemps érable. Alors donc, qu'en sera-t-il de cette version printanière? On sait qu'on a eu un drôle d'hiver jusqu'à maintenant. Alors, quand on regarde du côté de Météo Média, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, les 5 à 10 degrés installés qui nous donnent l'impression de conditions printanières. Alors, du côté de Montréal, c'est le 25 mars. Ça devrait être pas mal dans les dates cette année. 9 avril à Québec, là aussi, on joue la moyenne. Et 10-12 avril pour Val-d'Or, également du côté de Bagotville. Maintenant, un 10 degrés hâtif. Donc, est-ce que le printemps arriverait de façon impromptue? Alors, quand on regarde les records, le 20 février en 94 à Montréal, en 53 aussi, on avait eu des dates hâtives. Ça ne se produira pas cette année. Donc, le printemps va se faire attendre encore un tout petit peu. Patience, quoi qu'en disent les marmottes.